Le manque de diversité alimentaire entraîne des carences nutritionnelles qui touchent un tiers des personnes dans le monde. Ces carences en vitamines et minéraux rendent plus sensibles aux maladies, peuvent causer des troubles physiques et cognitifs irréversibles, entravent la croissance des enfants et augmentent les risques de mortalité. À l'ouest du Burkina Faso, malgré une production agricole relativement élevée, la diversité alimentaire demeure particulièrement faible. Le projet Relax, c'est un projet qui est porté par le CIRAD. C'est un projet de recherche, avant tout, qui vise à comprendre les déterminants du manque de diversité alimentaire dans des familles d'agriculteurs en Afrique, et en particulier à l'ouest du Burkina Faso. En fait, on cherche à savoir quel est le rôle de la production agricole, quel est le rôle de la cueillette, et aussi le rôle des marchés de consommation. Le projet a réuni des chercheurs et chercheuses de plusieurs disciplines afin d'identifier conjointement des solutions adaptées aux réalités des familles agricoles pour améliorer leur diversité alimentaire tout au long de l'année. Au début, on était déjà une petite équipe pluridisciplinaire avec des microéconomistes et des nutritionnistes. On s'est rendu compte que pour bien comprendre les différents aspects de cette faible diversité alimentaire, trop faible diversité alimentaire, il fallait qu'on travaille aussi avec des agronomes. Les agronomes, eux, ils comprennent en fait les logiques de l'agriculture, pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec des systèmes si peu diversifiés. Il fallait qu'on travaille aussi avec des spécialistes des ressources naturelles, et il fallait aussi qu'on s'adjoigne les compétences des sociologues qui comprennent pourquoi et comment les gens font des choix, avec quelle représentation, qu'est-ce que ça signifie la diversité. Ces différents points de vue disciplinaires sont assez complémentaires et aussi imaginent des solutions. On leur demande de varier l'alimentation. Mais même en ville, la diversité, c'est un nouveau concept. Par rapport à cette qualification en fait, de l'alimentation, elle reste dans le carcan médical. Il faut qu'on sorte de là maintenant pour donner une autre vision en fait, de l'alimentation qui apporte de meilleurs nutriments en fait, aux populations. Que ce ne soit pas qu'un problème médical, ni un problème de contraintes sanitaires. Les hommes ont besoin d'être sensibilisés, les femmes ont besoin d'être sensibilisées. Qu'on leur fasse comprendre aussi que bien manger aussi fait partie aussi d'une construction identitaire sociale. L'alimentation est basée sur un nombre très restreint d'aliments. Le taux de maïs, des légumes feuilles, l'arachide, le gombo. Il faudrait vraiment élargir la gamme des aliments consommés, par exemple en promouvant des aliments de cueillette dans la nature ou encore des légumes traditionnels. Et également promouvoir des moyens de conservation comme la fermentation ou le séchage, car les aliments périssables, les fruits et les légumes, sont consommés principalement pendant les périodes de récolte, faute de moyens de conservation. Il faut politiquement que la question de la diversité alimentaire soit une question transversale à plusieurs ministères, qu'on puisse vraiment l'aborder dans les sociétés et sur le terrain au plan agronomique. On a pu se rendre compte qu'il y a une certaine diversité de production, mais que cette diversité de production est dominée essentiellement par le maïs et le coton. Et c'est là où on a introduit le mung bean, on a introduit la papaye, on a introduit la patate douce à chair orange, on a introduit du gombo, des aubergines, des cultures comme ça qui sont traditionnellement destinées à la consommation humaine, en famille. On s'est dit également qu'il faut qu'on travaille également sur des solutions alternatives, c'est-à-dire que devrions développer avec les populations quel type de production animale peuvent être valorisées utilement dans la consommation au quotidien. Peut-être qu'il faut qu'on développe l'élevage des pigeons, peut-être qu'on développe l'élevage du lapin, et également il y a la possibilité de transformer le soja sous forme de viande, des brochettes de soja, qui sont très intéressantes, que les gens peuvent vendre à 100 francs, 200 francs ou 50 francs. En même temps qu'on travaille sur leur prise de conscience, qu'on développe également des solutions alternatives.
faut qu'il y ait de la biodiversité dans les parcs agroforestiers. On l'a vu dans l'étude que cette biodiversité contribue à l'amélioration de la diversité alimentaire des femmes et partant de là des ménages. La forêt, en tant que ressource naturelle, pouvait apporter à elle seule au moins 4 groupes d'aliments, à savoir les fruits riches en vitamine A, les autres fruits, les légumes, feuilles vertes foncées et aussi les noix et les graines. Et les arbres dans les plantations permettent de réguler le climat dans le contexte soudano-sahélien où les terres sont sujettes à la sécheresse. La présence d'arbres dans les champs est fortement bénéfique pour l'agriculture et partant de là pour l'alimentation des ménages. Développement de nouvelles cultures et du petit élevage. Maintien des arbres dans les parcs agroforestiers, méthode de conservation des aliments, sensibilisation des agriculteurs et agricultrices et décloisonnement des secteurs, en particulier de la santé et de l'agriculture. Autant de leviers qui permettraient d'améliorer sensiblement la résilience et la diversité alimentaire de ces ménages agricoles. Quand on est économiste des ménages agricoles dans les pays du Sud, on travaille beaucoup sur les questions de pauvreté, vulnérabilité, qui sont des visions un petit peu négatives des réalités que vivent ces ménages. C'est pas forcément faux, mais c'est une perspective négative. Et le terme résilience, il est plus intéressant parce qu'il parle des côtés positifs et des capacités à rebondir et à innover et à trouver ses propres solutions. L'acronyme de RELAX signifie en anglais Resilience of Agricultural Households at a Crossroads.